Tu veux goûter ma gélatine? Tiens. Bon. Ça se trouve, avec la table de craft, on pourra faire un arc. Ouais, ça m'a donné Glowing Berry Pudding. Donc j'ai craft du pudding avec du coup une Ulcer Berry et une Glow Tulip. Et ça donne pas mal aussi de trucs, ça c'est assez intéressant. Hop, je le mange direct. Voilà. Il y a encore du bois. Merci. Donc les items sont à peu près incassables en fait. Du coup, j'ai cette impression là, ouais. Du coup. Parce que, ouais, tu peux les réparer à l'infini, donc je pense que oui. Après, ça te coûte peut-être des choses, hein. Ah, mais ça te coûte, en bas à droite, c'est écrit. Ça coûte quoi? Ça coûte le matériau, ouais. Ok, je savais pas, bon. Je me doutais que ça coûtait un truc. Ah, mais j'avais pas trouvé où c'était. Et du coup, est-ce que peut... si tu l'utilises trop, est-ce qu'elle peut se casser au bout d'un moment, c'est le truc que... Bah, à mon avis, non, les items sont vraiment incassables, du coup. Si jamais tu les... Bah, en fait, moi, si j'ai déjà pété une pioche en bois, elle est juste plus utilisable. Bah, je sais pas, moi tout à l'heure elle était rouge la mienne et je pouvais encore l'utiliser. Oui, mais elle s'utilise pas en fait. Elle augmente pas ta vitesse de minage. Merde, je suis dans la fin du boss. Oh, ah. C'est la panique. Je vais mourir, je crois. J'ai vu ski, mais à la dernière seconde. Oh, plus jamais je vais là-bas. T'inquiète, de toute façon, on va le fight à un moment quand on sera bien stuff. C'est par où j'étais passé, mon vivant. La salle du boss. Oh merde, tu es con. Ah ouais, t'es monté au-dessus de la salle du boss. Bah bravo. J'arrive, je me casse. Non, plus jamais je vais là-bas. Hein. J'ai peur. Du coup, t'as pas trouvé encore de tiam? Pas encore, non. Là, j'y retourne. Ok. Par contre, j'ai ramené pas mal de copper. En fait, le dash, mec, ça va être bien pour le boss. Ouais, ça va être pratique. Je pense qu'il faut avoir de l'agilité et tout pour faire le boss. New talent point of... Ah, moi aussi, je vois un truc qui brille dans l'eau, là. T'as vu, mais on peut pas le récup. Je sens rien. C'est peut-être que tu sais qu'il y a des poissons, là. Bah, non. Ah ouais, c'est peut-être des poissons rares, mec. Ouais, là, j'ai jeté ma canne à pêche dessus. Bah, parce que, mec, tout à l'heure, quand j'ai jeté ma canne à pêche, j'ai galéré à la voir. Alors, il faut arrêter de cliquer quand le poisson s'agite. Ça marche comment? Oui, quand il est en rouge. Donc, faut cliquer tant que c'est pas... Quand est-ce que tu commences à cliquer? En fait, genre, tu maintiens ton clic droit quand... Quand ça commence à s'agiter. Quand il est normal... Pour le rapprocher, et dès qu'il devient en rouge, et ben en fait tu lâches ton clic droit, et ensuite tu... Il est plus... Ok. Ça, moi j'ai trouvé un endroit aussi qui est accessible. Oh, il faut lâcher quand c'est rouge, d'accord. Ouais. Ok. Donc le mec qui a galéré depuis 10 000 ans à l'avoir, en fait il est con. Oh, il s'est barré. Le couilleux. La déception. Oh, il s'est barré. J'ai failli l'avoir, mec. J'ai fait une erreur et il l'a lâché direct. T'as vraiment fait... Oh, il s'est barré. Oh non, non, c'est honteux, quoi. Ok, une algue, ouais. Déception. C'est ma déception. Qu'un poisson. Comment t'es passé par là, toi, là? Oh. Ben, ça, moi, le mec. C'est par le bas. Que j'ai eu le poisson. J'ai eu un Orange Cave Guppy. Une guppy. Mais est-ce que tu peux mettre du piment avec un poisson et des mushrooms? Ah, tu peux faire, hein. Attends, je viens avec toi. Vas-y. En fait, j'essaie d'aller explorer vraiment le plus loin possible pour trouver du thym et tout. La lanterne, elle éclaire pas si ouf que ça. Non, il éclaire pas grand chose. Tu peux peut-être en faire en meilleur matériau plus tard. Que j'ai revu un poisson.
encore une fois le même. Je t'attaque. J'arrive et toi tu suis justement en train de frapper des trucs. En fait, je te tapais toi. Vas-y, viens. Come here, nigga. Attends. Essaye de l'avoir ce bâtard là, le truc qui brille la balle. J'ai essayé plusieurs fois sur des trucs brillants, j'ai l'impression que ça marche pas. En fait, il est trop lourd. Vas-y, viens. Il y a des slimes là-bas. Wow. Allons voir. Viens le bâtard. Aïe. Comme il est par là, il y a un truc qu'on peut lui prendre. Ok. J'éclaire un peu. J'éclaire. Tom, passionné de pêche. Oh là, tout pile dessus. Il est très nerveux. Il a cassé ma canne. Il est chaud à voir là quand même. Ouais, moi il m'a eu. C'est chaud. Je l'ai eu! Let's go! J'ai... C'est le même. Ok, c'est le même. Je vais peut-être l'avoir aussi moi là. C'est un orange cave de merde, putain. Je l'ai eu. Et orange cave de Guppy aussi. Ah! On a que ça en fait. Ouais. Vas-y, viens, on descend vraiment profond par là. Peut-être que tu vas plus profond et plus tu trouves de merde. Ouais, enfin, je dis profond parce que c'est vers le bas, mais en vrai, c'est juste. Tu vas vers le sud quoi. Tu dois vers le sud, tu tapes plus loin, c'est tout. Ah voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je vais vers le sud. Intéressant, ça. J'éclaire un peu parce que... C'est peut-être dans certains... Ok, c'est quoi ce bordel? J'arrive. Ah, c'est la prolongation là. Mais il y a sûrement un truc à faire hein, pour passer là-bas. Faut contourner par là. Faire du jump. J'aime sur les stalactites, bon tu t'en parles plus qu'autre chose, mais vas-y. Oh, c'est quoi ça? Les ruines oubliées. C'est un minerai qu'on peut pas miner. On peut miner aucun bloc. C'est les ruines oubliées, mec. Faut qu'on arrive à trouver un moyen de rentrer, faut qu'on continue. Attends. Je t'aime pas donc. Ok, salut hein. Mais mec, faut peut-être le truc en teint pour le miner, c'est sûr. Ouais, de toute façon, il faut une pioche en teint. Mais attends, go remonter. Mais oh là-bas, regarde ce qu'il y a, mec. Il y a un bonhomme, un squelette en feu. Il y a rien du tout. Oh ouais. Imagine, c'est un PNJ. Attends, go pas l'attaquer tout de suite au cas où. Ok, il est méchant, go le tuer. Bien joué. T'as loot quoi? Crystal Skull Shard. Ok. Là, il y a du copper, si tu je veux. Pense qu'il vaut mieux pas se faire toucher par ses compétences à lui. Hein. Ouais, bah là, il pète comme ça. Il y a un truc à gauche intéressant, mec. T'es là comment ça brûle? Ouais, c'est un biome glace, on dirait. Et ça va être un gomme, il est tout. Au cas où tu viendrais à crash à un moment, au moins tu perds pas ta progression. Ok? Ouais. Ce serait dommage quand même. Ici, hein. Oh, il y a un truc là. Attends, c'est quoi? Bombe. Bombe? Attends. Une bombe. Où est-ce que je les loot? Oh, c'est une bombe plus forte que celle que j'avais tout à l'heure. Par contre, les Forgotten Ruins, on a toujours pas réussi à rentrer, faudra qu'on essaie vraiment de contourner. Attends, viens, on rentre parce que j'ai plus une idée. Avec une bombe, mec. Peut-être. Oh, de l'or. Attends, je le récupère. Attends. Comment je peux. Attends. Est-ce que. De toute façon, les kelps, ça sert à rien. Mais... Ouais, les kelps, c'est utile. En plus, on en a plein encore à la base. Donc... Je peux la récupérer au pire, de toute façon. Là-bas, regarde, il y a des particules. Ouais. Ok, il y avait que ce truc. Ok, c'est déjà exploré ici, on peut monter par là. On peut repartir par ici. T'es sûr que c'est déjà exploré ici? Ouais, j'ai déjà exploré, viens. Je me souviens, je l'ai fait ici. Si on veut rentrer à la base, c'est par là. Non, je connais le chemin.
Ils ont classe. Attends, c'est pas éclairé par là, c'est quoi? C'est un chemin que t'as creusé sans éclairer? Ouais. Pensez à éclairer quand même, comme ça on sait où on est passé. Le truc qui m'a fait, c'est comment on craft des torches? Comment on craft des quoi? Des torches. Bah, c'est dans ton inventaire, tu fais tab? Ça me coûte un bois, moi, pour en craft. Ah, j'allais dire, si tu veux pas les craft, c'est chaud. Bah, je t'en passe juste dans ce cas-là, tu vois. Non, non, t'inquiète, j'avais pas vu en fait. Vas-y, je vais faire Orange Kelp avec un petit mushroom. Ah, oh, orange... un truc. Ok. Et tiens, on devrait en craft plusieurs. Ça fait quoi? T'as vu que t'as un livre des recettes en haut? Oh, ça fait un bol. Oh. Un livre de recettes? Ouais, t'as un livre de recettes quand tu cliques. J'en prends un de bol, je veux voir ce que ça fait. Plus 20 food, plus 4 points de earth, plus 8 mining damage. Oh, ça t'augmente ta capacité de minage, c'est intéressant ça. Par contre, bon. Je vais pas te mentir que là je suis un peu fou. Moi aussi, mec, même problème que dans Terraria et tout, l'inventaire toujours plein. Oh, j'ai 6 teints. T'en as combien toi? Ça. De quoi? Non, je sais pas, il y a un truc bizarre, mais même pas. Dans le gros port. Mais t'as pas du thym? J'aurais 5 thym, mais. Enfin, 5 lagos, quoi, c'est tout. Ok, bah ça nous en fait déjà pas mal. Viens, on pose le thym ici au fur et à mesure dans ce coffre-là, Tom. Celui-là. Pose ton thym là-dedans. Moi j'en ai. 6 qui cuit là. 6 ? Ouais, plus celui-là, ça va être pas mal. Je pense que là, on commence à s'approcher de la table de craft. Mais on sait toujours pas comment on loot par contre. Je sais toujours pas comment on a loot. J'ai envie de tester un truc. Un poisson avec un kebab. un poisson avec. On a fait avec ça, voilà, attends. Regarde. Attends, si je fais. Regarde. Ah. J'ai enlevé ton mushroom, frérot. C'est marrant leur système de cuisine, j'aime bien. Tu vois, ça... Un orange pepper wrap. 8 mining damage. Ça fait encore plus de mining damage, donc c'est plus intéressant de le mélanger à un pepper qu'à un... Vas-y, bah attends, je reprends un pepper vite fait. Vas-y. Moi, je suis prêt à le manger, comme ça, après, on gomine. Vas-y, moi, je vais me reprendre un aussi. Bah, mec, okay. Mais je voulais tester là, champignon avec champignon, voir si c'est possible. Champignon. Ouais, c'est possible. Ça donne quoi? On va voir. Ah, ça fait une soupe de champignons. D'accord. Ça donne pas mal de bouffe. Ça peut être intéressant pour avoir plein de bouffe. Artipéricide. Mais on a tellement de trucs. Ouais, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai du pain. Du pain, ça me donne de la bouffe. Slime, ça par là. Dirt wall, ça par là. C'est là. Putain, on a déjà deux coffres fous, là. Oh la vache. Dirt wall, oh le. Ouais. Les ruines oubliées. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une crevasse qui nous entoure, Tom. Bah ouais. On regarde la map. On voit très clairement qu'il y a une crevasse qui se dessine. Ouais. T'as vu? Ouais. Une crevasse géante. Donc en fait, il faut trouver sûrement un moyen de passer. Genre un pont? Ouais. Bah là, t'as vu que déjà, on avait un moyen de passer là. Tu sais, en bas, on avait trouvé un moyen de passer, ça nous avait même mis Forgotten Ruins. Je pense qu'en fait, il y a peut-être une histoire d'aller battre le boss ou un truc du genre. Ouais, je pense aussi. Tu veux pas qu'on essaie d'aller battre le boss là, vite fait, faut voir ce que ça donne? Je sais pas si on va en être capable, hein, mais on peut aller essayer. Bon, alors on retourne miner un petit peu avant. On a l'air de même truc, ça. De toute façon, là, on fait comme on veut. C'est mal, les champs qu'on a, frérot. Là, c'est incroyable. Faut que j'arrose. Attends, mais mec, est-ce qu'on peut. Waouh. Par contre, les trucs avec les raftings, c'est un peu chiant, je peux te mentir. Les trucs avec quoi?
Avec les racines chaudes, c'est un peu chiant. Ouais, au moins, ça me donne du bois. Non ! Bon, bah, tu as une fleur. Merci. Je savais pas où la mettre. Donc, Alors, c'est bon. Oh, regarde, j'ai pas un trou ! Oh ! Tu fais comment pour le reboucher maintenant ? Je peux pas foutre de l'eau dedans. Eh bien. Bah, maintenant, regarde. J'ai le sol ground. Hop là ! Mais attends, y'a forcément un truc à faire avec ça, c'est pas possible. Mais du coup, tu peux déboucher les crevasses. Fais gaffe de pas tomber dedans. Hop, bon, je rends compte que fils, on va pas trop tirer sur la corde non plus. Mais mec, attends! Hé! Regarde! Non. Ça se relie pas? De la merde. Si, regarde! L'eau coule! Isaine! Oh! Bah, tu veux te plus reposer là ou pas pour qu'on puisse passer? Oh, regarde! C'est bon, on a deux sources d'eau! D'accord! Trop bien! Bon, bah, trop bien! Bon, bah, tant mieux, hein! Vas-y, j'essaye de manger le wrap et puis d'aller miner un peu. Mais gros, amener une source d'eau à côté de notre truc, en fait. On peut, ouais, pourquoi pas. En fait, attends. Comme ça, au moins, on n'a plus besoin de faire d'aller-retour. On est tranquille. C'est vrai. J'ai trouvé une nouvelle grotte, Tom. Oh! Oh! J'ai retrouvé un donjon, Tom. Le même que tout à l'heure, tu sais, le donjon où on avait trouvé le coffre spécial et tout. Hein? Si tu veux, rejoins-moi en haut de la map, là. Je trouvais du iron ore, du minerai de fer. Mais non! Si, c'était dans une jarre. C'est hyper rare, mec. Ouais, c'était dans une jarre. Attends, je me mets trop bien, là. Je t'attends ou pas? Vas-y, t'inquiète, prends. J'y vais. Y'a pas de coffre cette fois, par contre. Pourvu qu'il y ait du thym, quelque part. Bon, j'ai perdu des trucs en route, là. C'est quoi, ça? J'ai pas l'impression que j'ai eu du thym. C'est bon, j'ai fait une source. Une source infinie. Oh, Tom, J'ai eu un collier que je peux équiper qui me donne des chances de coups critiques en plus. Mais non. C'est pas mal, ça. J'ai retrouvé une grotte slime. Bon. Bah, en vrai, faudrait tenter le boss hein, pour voir ce que ça donne. Ouais, je pense aussi que ça pourrait être intéressant. Je suis monté assez haut là, je m'arrête là pour l'instant, je redescends à la base, je pose mon loot, puis on peut essayer de se faire le boss. Ça dépense que 1. Attends. Bon, bah moi je suis prêt pour le... Je suis prêt du boss là hein? Ah oui, je suis juste au-dessus du boss, d'accord. Je suis dans une grotte que t'as déjà explorée juste au-dessus du boss. Tu veux que j'y vienne? Non, t'inquiète, je vais passer à la base pour me vider avant de toute façon. Ok, moi je suis déjà vide de toute façon, donc je suis... Ok. Underground, faudrait que j'ai... Mec, bah go claquer nos bombes sur sa gueule en fait, hein! C'est plus pour le minage, les bombes, j'ai l'impression. Non mais gros, mec, 128 explosifs d'arrêt, quand même! Ouais, c'est trop un coup d'épée. T'es sûr de toi? Ouais, les coups d'épée, moi ça donne ouais. 50. 50? Ouais. Enfin, moi, avec mes coups critiques, ça donne 50 en général. Les coups critiques? Okay. Ouais, ouais, parce que ça me donne des bonus de coups critiques. Mon pendentif. Ah. Ouais. Bah, moi je suis prêt, mec. Bah, je mets tous mes heals à côté de. Ouais, je vais juste me vider un peu dans le coffre pour pas perdre trop de trucs de mon inventaire si je meurs. En fait, les kebabs ça sert à rien, en fait, ça donne même pas de heal.
ça dépend lesquels. J'ai une idée de fou. J'essaie de mélanger, avant qu'on aille faire le boss là, des Earthberry. Voir si on peut pas faire un truc Earthberry champignon. Earthberry champignon? Ah ouais. Ça va peut-être donner un truc qui heal bien ça. Je teste. Ça marche? Ça donne Mushberry Pudding. Non, ça heal autant. Ça heal autant? Okay. Donc en vrai, c'est pas super intéressant. Surtout que ça donne moins de food encore. Ah non, ça donne autant de food. En fait, c'est exactement la même chose que... Ah, c'est intéressant quand même, Tom. Okay. On a max health augmenté. Plus 25 max health pour 5 minutes. Oui. Donc ça, c'est la, c'est la différence. Ça donne health boost, en fait. En fait, c'est rentable ou pas du coup, finalement ? Bah, c'est peut-être pas rentable, mais bon, tiens. Pour le boss, ça pourrait être utile. On mangera juste avant le boss. Et là, je veux tester avec du pepper. Pudding ! Je vais tester ça. Ah oui, mais c'est les trucs clichés, gélatine hyper stylée dans les films. Ouais, c'est ça. C'est tellement... Mec, c'est tellement satisfaisant. Tu vois le petit truc bouger là, mon gagnant. Je fais cuire... Enfin, je fais Earthberry avec bombe pepper, mec. Après, ça doit être écœurant hein, au bout d'un moment. Ça, la petite gélatine, là. Oui. Ouais, c'est vrai, le... Regarde-moi. Tu veux goûter ma gélatine, tiens. Alors attends, qu'est-ce que ça donne du coup? Du movement speed, 25 max health. Sachant que moi j'ai mon dash pour esquiver. D'autres n'ont pas, donc continue. Ok, bon, j'ai des bonus intéressants. Ok, on y go? Bon, on peut pas avoir de la food. Le stress, le tryhard. Ok, mange tes boosts, mec. T'es prêt à manger ton pudding? Ouais, moi je suis prêt. Attends, on va déjà tuer celui-là. Ah, j'ai failli manger mon truc, c'est terminé. Vas-y, viens déjà, on va là. Attends, on va tuer ces slimes-là pour libérer l'espace pour se barrer si jamais on a besoin. Il a l'air d'avoir un truc intéressant dans lui, mec. Ah, mais à mon avis, vas-y, t'es prêt? On mange quoi? On mange pudding et quoi? Moi je mange pudding et un wrap, mais garde les wraps pour la fin, toi, c'est parce que j'ai aussi un peu faim. Ok, vas-y, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, go! Ok, let's go! Ok, j'arrive à esquiver. Merde! Ok, let's go! Je tue les petits slimes nuls à côté là. Faut qu'on se prenne des dégâts bêtement. Oh la vache, il m'a sauté dessus! Oh, il m'a mis cher! Mec, je vais mourir! Oh vas-y, viens par là! J'ai une idée. Je vais prendre... Oh la vache, il pète tout. J'ai pas équipé ma pelle, je suis débile. Faudrait qu'on enlève le slime. J'ai trouvé ma bombe, enculé ! Il a pété ta bombe. Mourir. J'ai pas ma pelle. T'as pas ta pelle, mais comment ça tu fais ? Essaye d'enlever le sol. Pourquoi ? C'est d'enlever trop long, le... mec. Beaucoup trop long, c'est enlever beaucoup... le slime. C'est beaucoup trop long, mec. Si, je le distrais, viens. Vas-y. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de vie, mais faut que je... Régène-toi et... Ok, go fur, mec, on va jamais l'avoir. Si, on peut l'avoir, juste... Non, on est même pas à la moitié et j'ai déjà plus de vie, hein. Bah, et puis en plus de ça, il y a la phase vénère après. Régène-toi. Mais je peux pas courir, moi, j'ai pas de movement speed. Je me casse, je vais prendre ma pelle. J'ai la pelle. Je vais prendre ma pelle parce qu'il faut absolument enlever le slime, là. Il y a une phase vénère. Je m'appelle. Mais Nick. Ouais, ça s'entend qu'il est vénère là. C'est bon, je m'appelle. J'essaie d'enlever un max de trucs. Ouais. Je me le prends un peu. Je me déplace tellement lentement moi. J'enlève un max de slime pour qu'on puisse courir parce que vraiment c'est gênant. Ah oh. Je lui ai mis un peu de dégâts. Je vais les mordre. Wouh.
Bien joué. Ok, oh, il y a loot un double coffre. Il y a quoi dedans? Plein de slime. Mec, bah t'as un move spin, c'est bon. Slime oil. T'as un movement speed, toi. Oh, il y a un voyageur. Ok, nice, parfait. Y'a un trigger. Wooden shield, off end. Mec, un shield. Tu peux l'utiliser pour avoir moins 70% de dégâts. Lurch eyes, gemstone. Mec. Ça va nous servir à mort, la gemstone. Vas-y, je prends quelques trucs. Attends, c'est quoi ça? C'est du slime, ok, bon. Voilà, la fizzer, c'est super utile. Fire, Filet, White Slime, Essence. Ça peut être intéressant. Eh bien joué, on a réussi à se faire le boss, mec. Attends, go, casser quoi ça? Go, prends. Bien joué. Et là, t'as vu le PNJ là, qu'est-ce qu'il fait lui? Il trade. Intéressant. Bon bah on l'a niqué en fait.